Donc ce qu'on disait, hein, c'est qu'on avait assisté à un combat de montesque entre un moissonneur et un dévoreur. Dorénavant, le prochain objectif, c'est évidemment de se rendre à la citadelle. Alors, j'ai le choix entre la citadelle ou bien encore des activités, somme toute assez nauséabondes de la part de nos amis de Cerberus. Cependant, je crois qu'il nous reste à aller sur Dranek. Ah oui, donc on avait raté quelques petites zones sympathiques sur Dranek. J'ai trouvé quelque chose. Très bien. Alors, Rotla. Rotla était autrefois une grande naine de glace fidèle aux statistiques ci-dessous. Au sortir de la rébellion Krogan, elle fut réduite en un champ de débris parce que l'on estime être le test d'un armement hors norme. Suite à cet incident, le planétoïde fut transformé en un champ à peu près contenu de milliers de minuscules lunes en orbite mutuelle, perpétuellement à se persécuter, à se percuter et changer de direction. La méthode utilisée pour détruire le planétoïde n'a jamais été forcément identifiée. Le clan Krogan responsable de l'expérience a été anéanti ce faisant. Les vaisseaux qui se trouvaient au bord du cône lumineux lors de l'accident ont dû avoir observé un puissant mirage gravitationnel autour de Rotla juste après sa destruction, mais les pistes s'arrêtent là. Une légende urbaine d'extranet instaurée par l'auteur Asari Delsae Ortissa soutient que les Turiens masquent l'existence d'une race de Krogan superbiotique conçue génétiquement sur Rotla. La MEDC maintient une quarantaine autour du champ de Rotla invoquant les accidents survenus à des particuliers venus enquêter dans les champs de débris. Intéressant, donc ça doit être du pétrole, bien sûr. 200 unités que l'on récupère, on est à 50%. Peut-être là. Kélim est un rocher dénué d'activité tectonique à l'atmosphère composée de krypton, de xénon et d'argon. Sa surface présente quelques gisements précieux de métaux légers, mais ils sont espacés et d'autant plus difficiles à trouver que la plupart ont été exploités à la veille de la rébellion Krogan. D'or. D'or est une géante de glace méthane ammonia classique. C'est le port de ravitaillement principal aux portes du secteur Dranek. La station Pildea, quartier général de la mission d'encadrement de la démilitarisation concilienne, est située au point L5 de D'or. La MEDC recense tous les vaisseaux qui traversent la zone démilitarisée Krogan. Elle est en droit, à son entière discrétion, d'arraisonner et de fouiller tout vaisseau qu'elle soupçonne de contrebande. À plusieurs reprises au cours des deux derniers siècles, des incidents diplomatiques ont éclaté suite à l'arraisonnement d'un vaisseau hôpital Asari, d'un vaisseau émissaire butarien ou encore de transporteurs humains privés. Tous ont été tranchés en faveur de la ME2C. Ces mesures ont été promulguées en vertu des conditions de l'armistice Krogan. Ces derniers ont reçu l'autorisation de conserver leur gouvernement et leurs armes personnelles, mais toute tentative de fournir au clan de Tuchanka des armes montées sur vaisseau est passible de poursuite. Plus d'un millénaire après la fin de la guerre, la peine encourue pour contrebande d'armes prohibées reste la mort par expulsion dans l'espace. Ah, c'est pas très glorieux, mais bon. Allons sur Sazgoth. Sazgoth est une petite tête de glace à l'orbite désaxée. À son périgée, une partie de sa surface gelée se sublime en une fine atmosphère d'azote et de dioxyde de carbone, qui ne tarde pas à geler de nouveau, regagnant l'espace extérieur. C'était sûr, en plus c'était... Je m'excuse, je fouille avant. Scanner, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver sur cette planète? Le lendemain matin. Ici. Je lance la sonde et... Équipe d'assassins du courtier de l'ombre. Ah mais c'est pas une que j'aime. Oh. Esquive réussi. Je me casse. Allons sur Nit. Alors Nit, ça éclaire un peu ça. Allons sur Tula. Ou pas. L'atmosphère de Tula, mélange de méthane et d'ammoniac, capture la terrible chaleur de Nit et transforme la planète en véritable serre avec des températures dures ne pouvant atteindre 1000 degrés. Bien que son sol contienne de précieuses ressources, Tula est malheureusement inexploitable. Bien entendu. Alors, toi, tu es quoi? Toi, tu es Var. Var est une planète géante recouverte de glace dont l'atmosphère est constituée d'un mélange de méthane et d'ammoniac. Jusqu'à la rébellion Krogan, elle possédait une vaste infrastructure de raffinerie d'hélium 3, mais le flot continu de tankers cessa brutalement après la destruction des stations photovoltaïques orbitant autour de Nit. Devenues inutiles, les usines furent fermées et laissées à l'abandon.
mais sont aujourd'hui un refuge idéal pour les criminels et les parias en tout genre, malgré leur insalubrité notoire qui ne semble guère émouvoir les autorités Krogan et la mission d'encadrement de démilitarisation consignée. And the last one. Géante bleue de classe B était autrefois le point stratégique culminant du territoire Krogan. Trop chaude pour posséder des planètes habitables, Nit est néanmoins plusieurs milliers de fois plus puissante que le Soleil et constitue une source d'énergie phénoménale. À l'aide des équipes évolutionnaires galariennes, les Krogan placèrent en orbite autour de Nit un vaste ensemble de stations photovoltaïques reliant l'énergie collectée vers des accélérateurs de particules situés à la surface de Mantum, où était produit le carburant antiprotonique nécessaire aux vaisseaux de la flotte Krogan. Pour la rébellion Krogan, des spectres parvinrent à introduire un virus dans les ordinateurs des stations orbitales, provoquant leur destruction totale. Les épaves de ces stations évoluent désormais sur une orbite stable autour de la géante bleue. Incapables de réparer les stations photovoltaïques, les Krogan furent alors privés de leur principale source de carburant, ce qui porta un coup très rude à leur rébellion. Les accélérateurs de particules existent encore aujourd'hui sur Mantum, mais n'ont pas été utilisés depuis plusieurs millénaires. Signal confirmé. Je suis à 100%, c'est pas vrai. Allez, plus qu'à retourner à Arlac. Et on peut se carapater. Très bien. Alors, quelle sera donc notre prochaine destination? J'ai eu 40, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va rencontrer. Alors, Xo, quotidien des dédicaces. Ah, ça c'est nouveau, ça, le secteur d'Aéton. Matic Beta, ah, c'est nouveau aussi. Secteur Nima, c'est nouveau aussi. Hashtag. Ça c'est pas nouveau par contre. Ah, base de chasseurs de Samus, ok. Donc on a éventuellement ça à faire dans la nébuleuse. J'ai bien envie de faire un tour dans le secteur d'Aéton. Et donc, tout est préparé. Peut-être pour récupérer une nouvelle ressource de guerre. On va faire ça tranquillou. Hein. Lucille. Lucille est la première des trois géantes gazeuses du système Haru, également la plus grande. Dotée de 96 lunes, cette planète avait en orbite des centaines de centres d'extraction d'hélium 3. La plupart des employés vivaient sur les stations orbitales de Lucille, qui étaient si nombreuses qu'elles devinrent une ville officieuse, reliée entre elles par des taxis. L'attaque des moissonneurs a dévasté les infrastructures, faisant pleuvoir des débris sur la géante, gazeuse. Irune. La planète d'origine des Volus est une planète à forte gravité et à haute pression, dotée d'un écosystème à base d'ammoniac. Du fait de cet environnement rare, les Volus ont mis du temps à trouver des planètes adaptées à coloniser. La plupart préfèrent rester sur Irune à travail et travaillent via extranet. Les plus téméraires enfilent une combinaison pressurisée peu confortable mais vitale et s'aventurent dans l'espace consilien pour y chercher fortune. Irune est remarquable pour avoir réussi à bannir la guerre en tant que forme d'expression de l'État. La culture Volus ne perçoit pas la dimension romantique de la guerre comme le font les races plus agressives. Les affrontements physiques entre groupes ne durent jamais longtemps et se terminent par des accords négociés, de lourdes sanctions économiques ou des punitions sociales. Les cités d'Irune sont généralement construites sur des itinéraires commerciaux importants, plutôt que sur des positions militairement défendables. Cela les a rendus vulnérables aux attaques de zombies depuis que les moissonneurs ont vaincu les flottes turiennes et ont porté le combat à la surface de la planète. L'atmosphère d'ammoniac d'Irune est toxique pour les non-volus. Les visiteurs doivent porter une tenue pressurisée en permanence lorsqu'ils voyagent en dehors des zones à environnement contrôlé. Jaxer est souvent mentionné dans la mythologie et le folklore Volus car sa surface blanche et brillante a toujours été facile à repérer sans télescope. Quand les Volus développèrent des instruments astronomiques évolués, leurs scientifiques découvrirent que la luminosité du Jaxer était causée par un épais nuage de monoxyde de carbone qui dissimulait la surface de la planète depuis des millénaires. Et Shaxab. Shaxab, du nom d'une divinité de la chance au nord d'Irune, est éclipsé par l'économie de Lucille et les recherches scientifiques menées sur Doltit. Cadette de ce système solaire, Shaxab possède maintenant la seule station d'hélium 3 dans le système, car les moissonneurs ne l'ont pas encore attaqué. L'espace à proximité est encombré de vaisseaux Volus qui tentent de fuir le système. J'ai trouvé quelque chose. Oh. J'ai pas fait exprès. Alors,
c'est chaud pour mon cul. Moissonneur évité. Saut SLM réussi. Oh putain, c'est énorme. SOI. Solupaouis. Les installations d'exploitation des lots 3 de Solupaouis ont rapporté des bénéfices historiques. Non pas grâce à la grande vague migratoire vers le système Ezori, mais parce que Solupaouis constitue un arrêt intéressant entre Irune et Sato Hard. L'équipe d'employés de Solupaouis avertit des plans des moissonneurs, envoyés de fausses communications qui laissaient penser que d'importantes activités militaires avaient lieu dans la station. Quand les moissonneurs envoyèrent une force de zombies, ils tombèrent dans le piège voulu. Une réaction en chaîne est alors lancée qui détruisit la station. Bien joué, les Volus. Kaelo. La surface glacée de Kaelo est constellée de cratères créés par une pluie de météorites légendaires il y a plus de 400 000 ans. Ces météorites contenaient des traces de cobalt, mais pas suffisamment pour organiser une grande exploitation minière à grande échelle. Les Russes se sont à peine intéressés à la planète, tout comme les moissonneurs. Molla. Pour une planète terrestre, Molla traverse l'étoile du système à une vitesse vertigineuse. Son orbite rapide et son cœur en fusion créent des océans de magma à sa surface, qui se solidifient en continent. À leur tour effacé par de la lave fraîche. Sympathique. Athos Ian. Athos Ian furent conquises avec le reste de son système quand les Volus maîtrisèrent le voyage SLM. Lors de la grande ère d'exploration Volus en 300 avant notre ère, ces derniers ne découvrirent qu'une poignée de planètes qu'ils pouvaient coloniser. Cependant, ils découvrirent de nombreuses planètes riches en ressources précieuses. Les plateformes d'extraction minière robotisées en orbite autour d'Athos Ian furent détruites par les moissonneurs. Il n'en reste rien, à part quelques débris spatiaux qui peuvent parfois présenter des dangers pour la navigation. Et Yantao. Yantao est une planète à la pression écrasante même pour les Volus. Son atmosphère est composée de dioxyde de carbone d'argon, de quelques traces d'oxygène et sa surface est dépourvue de vie. De minuscules créatures marines fossilisées ont été découvertes dans les profondes crevasses qui étaient autrefois les océans de Yantao. Maintenant on va tirer du monde, je pense. Signal confirmé. J'en profite, je suis pas très loin. 300 unités, qui pourrait se casser. Esquive réussie. Ah, ça va être chaud. Hein. Yeah. Moissonneur évité. Saut SLM réussi. Je l'ai dans le baba, je pense. Si je rush, non, alors moi je peux pas côté. Esquive réussi. Ça a pas l'air de moissonneur évité. Saut SLM réussi. Ah non, esquive réussi. Que ce monde est une capture extrasolaire qui s'est construit une atmosphère pendant des millions d'années pour devenir la fournaise qu'elle est aujourd'hui. Les robots mineurs Volus arrivèrent sur Polothem quand on y découvrit de l'élément zéro, suivi de près par des pirates. Ces derniers comprirent avec douleur que les riches Volus pouvaient avoir une certaine influence dans la hiérarchie turienne. Les moissonneurs ont préféré occuper les stations orbitales de Polothem plutôt que de les détruire. Il est possible que l'élément zéro soit assez rare pour intéresser les moissonneurs, mais il est davantage probable qu'ils aient laissé des forces de défense au cas où les turiens chassés reviendraient. Très bien. Voilà. Rillar. Rillar est un monde terrestre rocheux et désert. Seule une petite partie de la planète a été explorée, car les analyses n'ont révélé aucune ressource intéressante, en comparaison avec les eaux du monde voisin de Polothem. La planète ne semble pas avoir attiré l'attention des moissonneurs, ce qui en ferait un bon point pour tout vaisseau, voulant évacuer sa charge statique. Voilà. Nalizine. Monde isolé fait de roches et de glace, Nalizine évolue dans la frange extérieure du système Sato Hard. Ses températures glaciales et son atmosphère riche en dioxyde de carbone n'ont pas découragé les contrebandiers des eaux qui établissent leur camp dans les tunnels qui serpentent dans les chaînes de montagnes de l'hémisphère sud. Les camps ont été abandonnés quand les patrouilles turiennes ont commencé leurs opérations de nettoyage de tunnels. J'ai trouvé quelque chose. Technique Volus. Parfait ça.
Moissonneur évité. SOSLM réussi. Ça passera pas. Même cas de figure en fait. Esquive réussie. Moissonneur évité. SOSLM réussi. Esquive réussie. Moissonneur évité. SOSLM réussi. On va aller sur noir en tout cas. Ça me fait chier le truc de la plaine parce que des fois il y a des ressources intéressantes. Gorgon. Tout comme Whelm, Orun, Gorgon, ok, on s'en fout. On a fini de péter des stations ici. Omaker. Omaker est un monde d'Éden tempéré actuellement dans sa période de mégafaune. L'atmosphère azote-oxygène de la planète et la vie à base d'acide dextro-éminé n'intéressaient pas particulièrement les Volus qui vantirent les droits de colonisation à leurs partenaires turiens. Les spatioports d'Omaker et ses principaux axes routiers furent pulvérisés par les moissonneurs, paralysant largement la population. Ses défenseurs turiens ont été lentement repoussés par les forces ennemies. Signal confirmé. Ah, ça se sentait qu'il y avait quelque chose ici. Donc là, on prend pas de risque, c'est comme ça. Hop, on s'en va. Archive des renseignements Volus. Les Volus sont des services de renseignement, ça c'est meilleur. Oui, j'ai bien compris, je vous ai excité un petit peu. Wellmo est une géante gazeuse hydrogène hélium, qui signifie en Volus celle qui est dorée, une référence à ses anneaux jaune-orangé, au grand désarroi des prospecteurs nulle trace d'or à extraire. La contribution économique de Wellmo au système fut le classique hélium 3, mais les installations ont été détruites par les moissonneurs. Et la U. La surface de la U est battue par d'énormes tempêtes de silicates. Dans une étrange alliance entre le commerce et la science des casinos Volus de luxe d'Omaker, ont conclu un partenariat avec les équipes de recherche dont les satellites surveillent la U. Les casinos organisent des paris sur la durée et la vitesse des tempêtes de la U. Les gains ont rendu quelques rares Volus riches et les gagnants du jackpot forment une petite club fermée. Mais les moissonneurs, ils ont tout pété. Esquive réussie. Yop là. Moissonneur évité. Ah, c'est dommage. C'est dommage, nous n'en avons pas beaucoup. Bah putain, elle m'en manquait un peu. SOSLM réussi. Pas de petites économies. Esquive réussi. Moissonneur évité. Très bien, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Beta et le secteur Numa qui n'ont pas été fait. On va aller sur la team Beta, de toute façon après il va falloir retourner à la cité. Pour faire les choses proprement. Ah, ça va un peu loin quand même. Alors, et l'Etania, danger niveau 1, substance toxique. De prime abord, l'Etania semble une candidate idéale à la colonisation. Sa surface est recouverte de mousse, d'algues et de lichens, et son atmosphère est riche en oxygène. Mais les apparences sont parfois trompeuses. La faune locale comporte des créatures microscopiques impossibles à dissocier de l'air et nécessaires à l'équilibre de l'écosystème dont l'inhalation provoque un choc anaphylactique chez tout être étranger à la planète. En résumé, la colonisation exigerait le port permanent de combinaisons étanches ou un changement total d'écosystème. Il a cependant été proposé que la colonisation soit limitée aux altitudes où les symbiotes ne peuvent proliférer, ou aux zones où les vents favorables garderaient l'air propre. Très bien.
Xatoron. Donc Xatoron est une petite planète tellurique dotée d'une fine atmosphère de tuxide. Pas très intéressant en soi. Sidide. La proximité de la très lumineuse Hercule crée de magnifiques aurores bleues et violettes dans l'atmosphère d'azote et d'argon de Sidide. En période d'éruption solaire intense, les aurores sont suffisamment brillantes pour être observées à l'aide d'instruments d'optique ordinaires jusqu'à plusieurs années-lumière de distance. L'environnement de Sidide, d'une chaleur infernale, est principalement composé de magnésium et de dépôts de fer. Un réseau complexe de cavernes situé sous la croûte abrite une étonnante variété de formes de vie simples à base de carbone, protégées de la chaleur et des radiations d'Hercule. Ici on a Zatorus. Est une géante gazeuse sans exosphère, blablabla, ok. Alors. J'ai trouvé quelque chose. Okay, très bien. Très bien, très bien. Je savais qu'il était là. Allez hop, récupérons des trucs. Dispositif interférométrique, c'est un des top. Attends, j'aimerais bien récupérer une ressource. SOSLM réussi. Ok, c'est là. Esquive réussie. Moissonneur évité. Je le fais vite fait, 370. Putain. SOSLM réussi. Est-ce qu'ils peuvent me bouffer vraiment? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Taisez. Alors que me propose Taisez? Charing, âme, est une géante gazeuse hydrogénélium avec des traces d'ammoniac et de méthane, mais aussi de grandes quantités de vapeur d'eau, ce qui lui donne ses étonnantes couleurs bleutées, blanches et brunes. Parmi sa soixantaine de satellites, deux lunes d'un diamètre supérieur à 3000 km présentent des signes d'occupation protéine. Les protéines extrayées-t-il de l'hélium 3 de Charing, âme? Sitaou. Si Tao retient une atmosphère à haute pression composée de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique, sa surface est principalement constituée de plaines récentes, de rhyolites et basaltes volcaniques, ainsi que de grandes concentrations de carbone et d'éléments radioactifs. De par son activité tectonique effrénée, Si Tao ne compte pas moins d'une douzaine de supervolcans de 50 à 120 km de diamètre en éruption aux quatre coins de la planète. La concentration en carbone et la présence de volcans en activité font que les diamants naturels abondent, mais qu'ils sont très dangereux et coûteux à obtenir. Féroce. Féroce fut colonisé en 2178 par Exogénie Corporation, qui installa une colonie avancée. Le but de la société était d'étudier et d'explorer les ruines protéines qui couvrent les deux tiers de la surface de la planète. L'atmosphère est saturée de poussière et la progression à sa surface est rendue difficile par les débris qui s'amoncellent sur des dizaines de mètres d'épaisseur. Certains signes indiquent que Féroce était autrefois un monde bien plus froid qu'aujourd'hui. La planète possède deux grandes lunes, Orcane et Vardet. Signal confirmé. Ouais, on va, parfait. Quenna. La surface gelée de Quenna est riche en métaux lourds. Qui plus est, sa densité supérieure à la moyenne indique la présence d'autres richesses en sous-sol. Son atmosphère est composée d'azote et de monoxyde de carbone. Les restes d'infrastructures minières protéines sont présents sur toute la planète. Mines abandonnées et villes fantômes relient les unes aux autres par des lignes à sustentation magnétique hors d'usage. Par comparaison avec les gratte-ciels effondrés de Féroce, les ruines de Quenna sont en bon état, ce qui n'a fait que faciliter la tâche des pillards. Sur une petite géante gazeuse, sur Logan. Logan est une géante gazeuse standard, composée d'hélium et d'hydrogène. L'équipe qui l'a découverte il y a 20 ans a repéré d'étranges perturbations dans les bandes nuageuses de Logan qui suggéraient la présence de corps solides de très grande taille en dessous. Tandis que le vaisseau s'approchait, ces étranges perturbations disparurent une à une pour ne jamais réapparaître. Oh, ils sont pas... Et 300, 400, 300, 240, on le prend. Et Féroce, que va m'offrir Féroce? Si on enclenche le scan. Thank you.
chercheur d'exogénie, c'est parfait. Très bien, bah, cassons-nous. Cassons-nous, cassons-nous. Là, on a fait 100%. Esquive réussie. Il nous manque juste le secteur de Nîmes à faire. Pas sûr qu'on puisse récupérer une carte d'or. On va voir ça. Ah, mais si, mais quelle mauvaise langue. Prestation d'écoute X19. Alors, voyons voir. Dame Kiana. Dame Kiana est la source principale d'Helium 3 dans le système Masking Zul, des stations de récupération construites par les Rakmi. Ah mais si, putain, mais si, je suis... Mais si, c'est les Rakmi. Putain, je suis con. Ah. Moissonneur évité. Bah écoutez, eux touchent, ceci m'intrigue. Ah oh bah si, je t'ai déjà vu. Ah bah là, on va autant pour moi. Non, mais après, je pense qu'il y a des trucs qui ne tient rien. Pourquoi ils accélèrent comme ça? SOSLM réussi. C'est là, en fait, je peux pas reprendre. Ça serait con. Esquive réussi. C'était chaud quand même. Bon, bah écoutez. Sur la base de la base des chasseurs. Peut-être réinitialiser le truc. Donc là on est sur Noveria, Svarog, ça je l'ai fait. J'aime les dégâts. Normalement, un Garus de... Commandant, l'ennemi possède un avantage stratégique dans le secteur grâce à l'escadron de chasseurs que vous êtes sur le point d'attaquer. On aimerait s'en emparer, mais leur défense anti-aérienne est trop puissante pour un assaut frontal. Les pertes seraient trop lourdes. Comment voulez-vous que je m'y prenne? Passez par l'arrière et neutralisez leur défense pour qu'on envoie nos troupes. Bonne chance, commandant. Contact visuel! Il y a une petite plateforme au-dessus du site d'atterrissage principal. Je peux vous lâcher là, mais décidez-vous tout de suite.
Ça marche. Leur défense. Ouvrez l'œil et cherchez le centre de commandement. Mais attendez, je t'ai pas pris. Ils nous ont vus. Ok. Très bien. Ok. Sergent Packer. Pour l'instant, tout va bien, Shepard. Trouvons ce centre de contrôle.
bordel, ça va prendre du temps. Ah bah oui, bien sûr. Ennemi en approche. On ne peut pas attendre. Il faut neutraliser ses défenses immédiatement. Yara, je compte sur vous. Je n'échouerai pas, Shepard. Attention, commandant, vous allez être submergé. Commandant, ils ont percé ma couverture. Je vais me mettre à bonne distance. Pas de soucis. Cortez, dégagez. Je vous attendrai. Nettoyez la base et prévenez la force. Alerte, alerte. Intrusion. Mesures de confinement lancées. Ok. Au moins comme ça, ça règle le problème. Couverture, je vais me mettre à bonne distance. Pas de soucis. Cortez, dégagez. Moi qui arrive, si tu veux. Je vous attendrai. Nettoyez la base et prévenez la force. Alerte, alerte. Intrusion. Mesures de confinement lancées. Shepard, les galons externes ont été déployés. On se charge d'abord des défenses. On s'occupera de ça plus tard. Shepard, l'ordre de désactivation doit être simultané. Système de défense désactivé. Ordre général 7/7 déclenché. Activation des défenses de secours. Shepard, je capte un déploiement en masse sur la plateforme d'atterrissage. Alors c'est là qu'il faut aller. Cortez, je vous reçois. Approchez. Vous voilà, commandant. J'ai dû passer les interférences. La voie est libre. Je donne le signal à la force de frappe. Attendez. Les
Shepard, attention! Le groupe d'assaut ne peut pas atterrir, mettez le paquet! Il y a des blessés. Bon. Rien que des égratignures. Ah, c'est dommage. J'ai vu le signal et j'ai contacté la force de frappe. Ils sont en route pour prendre le contrôle de la station. Bien joué, lieutenant. On vient vous chercher. Bon, sur une montagne. Ouais, une mort inutile, une mort inutile. C'était une victoire majeure, commandant. Un rude coup porté aux activités de Cerberus dans le secteur. Maintenant, il suffit de garder le contrôle du complexe. Cerberus ne se laissera pas faire. Nous non plus, on ne se laissera pas faire. Grâce à vous, on peut utiliser leur propre défense contre eux. Votre équipe a bien travaillé, commandant. Vous pouvez être fier. Merci, monsieur. Enquête terminée. Très bien. Du pognon, du pognon. Donc, enquête terminée. Eh bien, écoutez, direction la citadelle. On va essayer de checker si ça a réinitialisé les moissonneurs dans la zone. Okay. Sarah, vous avez des nouvelles de votre ami, celui qui a rejoint Cerberus? Moi, je l'ai défoncé. Commandant, il y a un nouveau message sur votre terminal privé. Commandant, je vous écris de la vallée de Kelfic sur Tuchanka. J'aimerais que vous soyez là pour voir ça. Des Krogan affluent de toute la planète. Ils sont tellement nombreux, j'ai arrêté de compter. Ils ont tous appris la nouvelle. Nous sommes enfin libres. L'ère de la souffrance est terminée. Les Krogan n'auront plus jamais peur de donner naissance. Si j'ignore encore ce que le sort réserve à mon peuple, je peux vous promettre que votre décision de croire en nous ne sera pas vaine. Nous ne combattrons pas les moissonneurs pour la gloire, mais parce que nous savons qu'il y a un futur pour nous après la victoire. Quant à moi, je consacrerai le reste de ma vie à parcourir toute Chanka pour donner à tous les Krogan la bonne nouvelle qu'ils attendent depuis près de 2000 ans. L'espoir est revenu. Et c'est à vous que je le dois, commandant. Je ne l'oublierai jamais. Écoute, faut pas le Dawa et ce sera parfait. Donc, hop, on quitte l'orbite. Vite. C'est celle-ci. Est-ce que les gens... Curassez-vous, Sknoun. Ah bah, quand même. Est-ce qu'après, je pense, moi aussi, c'est possible. Large. Je crois que là, c'était là, justement, je devais récupérer du carburant. C'est ça. Parfait. Il me faut juste ce qu'il me faut pour me casser. Comme ça, on a fait le secteur à 100% et je me sentirai beaucoup mieux. On peut retourner à la citadelle et valider toutes ces jolies quêtes qui nous donnent
Contrôle de l'Alliance, ici le SSV Normandie. Autorisation d'accoster ? Ah, une couille dans le potage. Contrôle de l'Alliance, ici le SSV Normandie, en route vers la baie 1-4, secteur Zakera. Sommes-nous autorisés à accoster ? The fuck, Cerberus ? Bon sang, qu'est-ce qui se passe là-dessous ? Même si c'était une panne, des systèmes de secours seraient activés. J'ai un mauvais pressentiment. Je vérifie les canaux d'urgence. Hé, hey, ouais, c'est Joker. Ouais, sans déconner. Commandant, j'ai Ten en ligne. Il dit que c'est important. Ce qu'il a à dire peut vous intéresser. Passez-le-moi. Shepard, la citadelle est attaquée. Les forces de Cerberus sont partout et elles contrôlent les quais. Vous allez bien ? Non. J'ai dû éviter leur commando à l'hôpital. Je suis dans une devanture du Présidium. Ashley s'en est sortie ? Nous avons été séparés. Elle a dit qu'elle devait protéger le Conseil. Je vais au QG du SSC. Mais pourquoi aller là-bas ? Il a été capturé et la riposte du SSC en dépend. Tant que Cerberus tient le QG, il tient la station. Bien, Joker, tenez-nous à l'écart des quais et près du QG du SSC. Nous allons descendre en navette. À vos ordres, commandant. Ok, vous tous, bienvenue en enfer. Courez à couvert. Oui, chef.
Est-ce qu'on a des trucs à récupérer ici? Shepard, j'ai vu les forces de Cerberus vous tomber dessus. Je vous ai cru mort. Bailey, qu'est-ce que vous faites là? Je me suis fait tirer dessus en essayant de reprendre le QG. Cerberus s'en est emparé dès le premier assaut. Il faut les dégager de là. Les agents du SSC sont totalement aveugles sans réseau. J'espère qu'on n'arrive pas trop tard. Vous savez si le Conseil est encore en vie? Ils sont dispersés. J'en saurai plus en ayant accès au terminal du SSC. Vous pouvez nous faire entrer? Je vais prendre la porte. Si personne ne me tire dessus ce coup-ci. Nous y voilà. Accès au réseau du SSC. De la part de Cerberus. À quoi ça va nous servir? Cerberus contrôle les canaux principaux, mais je peux en ouvrir un autre. Sans ça, nos agents n'ont ni plan ni espoir. Eh ben... Vous avez quoi? Un avertissement du conseiller Valerne. Il devrait être ici, il est censé voir l'exécuteur. Prenez garde, les probabilités d'une trahison sont élevées. Ni plus ni moins. Mais s'il est à l'intérieur... Pourquoi le conseiller rencontrerait-il l'exécuteur? C'est souvent le cas avant de juger une personne importante. Celle-ci devait avoir des amis chez Cerberus. Le conseiller devrait y voir plus clair que nous. Pour le bien que ça fera... Un conseiller, c'est mieux que rien. Où dois-je aller? Le bureau de l'exécuteur est défendable. Il a pu se jeter au sol quand la fusillade a éclaté. C'est parti. Une seconde. Voilà, on peut parler par Omnitech. Allez. Dane, vous avez entendu ça? Allez. Oui. Je m'approche du bâtiment, mais j'ai du mal à courir. Je tâche de vous rejoindre. En avant, Gengo. Des soldats dans le hall. Ils étaient planqués. J'en vois d'autres grâce aux caméras. Ils sont partout dans la station. Attaque de Cerberus en cours. Tout sur nous. Celui-ci a pris une balle dans la nuque. L'ennemi est dans les rangs. Comme sur Mars. Cerberus aime les agents dormants. Protection.
Ils ont nettoyé pièce par pièce, pas vrai? Vous avez trouvé des survivants? Pas encore. Bon sang. Cherchez encore. Tiens, j'avais même un petit 8. Merde. Quel genre d'idéologie bidon vous pousse à buter des flics? C'est un outil de recrutement pour ces barjots? L'attaque de la citadelle peut être vue comme une étape dans l'instauration de la suprématie humaine. Le SSC pourrait être facilement diabolisé. La forte proportion de Turiens dans ses rangs et l'inaction du Conseil face à l'invasion de la Terre pourraient les désigner comme des ennemis. Ils disent à leurs gars de foutre la citadelle en l'air pour le bien de la Terre. C'est vraiment tordu. Frôle. Prévenez Erk que s'il ne remplit pas ses rapports correctement, il se prendra un coup de pied au cul qui l'enverra jusqu'à l'autre bout de la citadelle. Fixer un autre rendez-vous avec l'analyste t'étonne au sujet des décalages dans le tonnage de cargaison ces derniers mois. Ne pas le laisser sentir encore une fois, bordel. Des intrusions illégales dans la station ont été signées, faire calibrer des systèmes biométriques encore une fois. J'ai sorti des pièces à conviction pour que vous voyiez par vous-même. On l'a chopé l'ordure qui l'a scindé dans une salle de bain de la tour 110. Il lui a fait passer des détecteurs en pièces détachées, un canon en métal dans un omnitech évité, des os dans une de ses brosses à dents scission. Le reste était en plastique ou en céramique. Il ne porte aucun tatouage de gang et il était en tenue de sport comme la plupart des employés mâles de la tour 110. Son idée est une fausse, son historique remonte à la date à laquelle sa carte de sécurité sociale a été émise, rien avant ça. Ça n'est absolument pas une coïncidence, c'est un assassin professionnel, et il n'est pas seul. Des gens font entrer des armes à air comprimé tous partout dans la station. La patrouille le sait, le crime organisé le sait, tout le monde le sait. Mais quand on essaye d'en parler au major, on se heurte à un mur d'acier. Où sont les affaires internes quand on a besoin d'elles? Pourquoi on n'a pas de moyen de leur faire ouvrir l'enquête sur les douanes? Ah, vous ne vous en tireriez pas en fermant les yeux si on était à LA ou à Hong Kong. Le major dit qu'il ne va pas emmerder de bons policiers à cause d'un dingue avec un flingue. Mais il n'est pas tout seul. Posez donc cette question à l'exécuteur. Si c'est ce que nous attrapons, qu'est-ce qui passe entre les mailles du filet? Mathias Shaw. Mathias Shaw. Quel est le service secret de Wallon? Ah là là, c'est pas possible. Je pille l'argent. On doit plus être loin. Visiblement, nous arrivons après la bataille. Thank you.
Bailey, on dirait qu'ils ont eu l'exécuteur et deux gardes du corps galarien. Bon sang, bien, cherchez encore. Si vous ne voyez pas le corps du conseiller, c'est qu'il est vivant. Nous l'avons trouvé, il a l'air indemne. Mettez-le à l'abri. Oula. Kenji. Non ? N'y pense même pas. Shepard, il va tous nous tuer! Ça, ça reste à voir. Je parle d'Odina. C'est un coup monté. Il tient les autres conseillers pour les livrer à Cerberus. Trois contre un, mon pote. C'est la fin. Non, on va s'amuser. Comment ça se passe? Je tiendrai. Attrapez-le. Shepard, que se passe-t-il là-haut? Tain a besoin d'assistance médicale rapidement. Et je dois me charger d'un assassin. Il doit être aux trousses du reste du conseil. Faites tourner l'info. Odina tente de s'emparer du pouvoir. Je dois atteindre les conseillers. On les emmène vers une plateforme pour navette sur le Présidium. Vous pouvez démarrer. J'essaie de les contacter. J'ai du neuf sur la position du conseil. Je l'envoie à votre voiture. Beau travail, Bailey. Nous y sommes presque. Instruments, votre voiture est à l'arrêt. Je suis à pied à présent. Avez-vous pu contacter le conseil? Négatif. Leurs gardes sont morts. Mais nous captons toujours des signes vitaux sur les transpondeurs du conseil. Où se dirige-t-il? La plateforme. On pour navette au-dessus de la place Chalmar. Odina est avec eux. S'il les amène à portée de cet assassin, tout sera foutu. J'y vais. Découvert.
Non, mais là, des épées? Sans déconner. Un entraînement efficace aux armes blanches désensibilise les soldats humains vis-à-vis du meurtre. Ouais, et un moissonneur dans le crâne fait pareil. Ces mecs volent double ration ou quoi? Oh!